bonne, elle vient tout droit de Bali. T'en veux? Pas de problème, mec. Tu diras ce que t'en penses. D'accord. Salut. Ça vous dit de venir à une rave? Ça se passe où? À 4 km ici. Dave, elle est où ta Suzanne, mec? Relax, Eric. Elle va débarquer dans une seconde. C'est gonflant d'attendre. On lui avait dit de se tirer par derrière de ce boui-boui. C'est ce que j'aime quand on est son patron. Tu es libre comme l'air. C'est ça. J'ai jamais entendu dire un dealer qu'il était son propre patron. Tu devrais le dire plus fort, Joe. Dis, Eric, tu peux pas donner ton numéro de carte d'identité? Montre-moi la tienne. Écrase. Vous voulez vous amuser? Ça sera d'enfer, la rêve partie du siècle. Au revoir. Ah, cool. L'excitante nuit du rêve. Le rêve absolu. Ça peut être... Réservé aux branchés. C'est ce que je suis et je sens que je vais faire des affaires. Qu'est-ce que t'en dis? J'en sais trop rien. Suzanne bosse demain. T'en sais rien, mais on est vendredi soir. Allez, laisse tomber les bouquins et le boulot. Si tu veux pas, on te kidnappe. C'est pas trop tôt, grouille, Suzanne. On va faire la fête. Salut. Dépêche-toi, on va une soirée rêve. J'adore tes fringues, une soirée rêve. Hey. Salut, chérie. Oh, le patron. J'ai un loyer à payer, les gars, et j'ai un max de boulot demain. Est-ce que tu peux pas cesser d'être raisonnable? Un soir, on est vendredi soir et on va faire la fête, ouais. On est victime d'un kidnapping. Allez, en voiture, la nuit est à nous. Wouhou, c'est le week-end. On va se faire une sacrée soirée, hein. C'est encore loin, où il est ce bazar? Je n'ai aucune idée de l'endroit où c'est. C'est encourageant. Oh, c'est pas vrai, vous êtes pas fichu de savoir lire une carte. Chérie, roule encore 5 bons kilomètres et après la 126, tu tournes à droite. Et c'est pas plus bête que ça. Et je n'ai pas fait les études que tu as faites, toi. Alors là, je crois que c'est une sacrée machine, mon pote. Oh, je la connais, elle adore ça. Ah, les gars, je crois que ce soir, je vais me taper une cuite d'enfer. Ou un mec d'enfer. Ah, voilà, c'est là. Tourne à droite. Franchement, ils pouvaient pas trouver un endroit encore plus paumé. C'est ça, c'est là. J'aurais dû apporter ma tente de camping, les mecs. Je vais me faire un max de pognon ce soir. Ah, cool. Nous voilà. Ouais, allez, viens danser avec moi. Attends, je vais d'abord faire des affaires. T'as toujours de bonnes raisons, lâcheur. Allez, viens, j'ai besoin d'un verre et d'un gars, dans cet ordre. Waouh, je vais me faire quelques cocktails, Eric. Reste tout près. D'accord. Je devrais faire attention, mec, ça m'a l'air de se faire chier. Eh, hey, qu'est-ce que tu veux avec elle? C'est tout de suite, elle déteste quand je fais ce business, mais elle adore claquer. Tu feras quoi si tu te fais piquer? Ah, je t'appellerai. Tu crois pouvoir téléphoner loin, au prison? Ah, très jolie façon de me dire que tu entres à l'université. Tu vas te tirer en solo? J'en ai pas encore parlé, j'attends le bon moment. Le bon moment pour moi, ce sera quand je changerai d'état et que mon téléphone sera sur liste rouge. Essayez de trouver Suzanne. D'accord, je vais faire un peu de business. Eh, hey, les gars, de quoi avez-vous besoin? J'ai le meilleur assis de toute la ville. Merci. C'est de la folie. Oh, regarde les 5 qu'elle a. Waouh.
là, t'as déjà vu ça? Oh! Hé, Sam, tu restes avec moi, je veux pas te perdre, d'accord? Ok. Allez, tiens, j'ai la barmaid. Qu'est-ce que tu veux? Ah. Vodka, tonic. Ouais, cool. Tu sais, je suis fatiguée d'Eric et de son trafic de merde. Tu comprends, je sens qu'il veut pas se bouger et penser un peu à bâtir notre vie. On devrait peut-être se voir plus souvent toutes les deux, non? Ah, alors là, n'y compte pas trop, chérie. Si David est accepté à l'université de Stanford, j'espère bien partir avec lui. Tu le ferais? Non, j'en sais rien. Peut-être que je ferai quelque chose de différent de mon côté. J'ai le temps d'y penser. Ah, ce qui serait le mieux pour toi, c'est de décider vite. Mesdemoiselles, bienvenue à la soirée de l'année. Alors, c'est vous notre hôte? Pas tout à fait, je suis juste là pour être sûr qu'on s'amuse à ma soirée. Vous êtes en tenue de cow-boy? Est-ce que c'est votre ranch? Oh non, je l'emprunte pour des soirées comme celle-là. Qu'est-ce que vous buvez? Ah, une vodka tonique. Oh, quelle horreur, on ne boit plus ce truc-là. Ah, j'ai là la meilleure chose qui soit. Quelle coïncidence. En tout, je cherche le meilleur. Ces deux gars-là sont les seuls à pas vouloir ma marchandise. Ils sont bizarres, on dirait des zombies. T'as des touches? Non, rien du tout, mec, mais... pour avoir des touches, il faut être un peu raide. J'aime ça, être raide. La mets sur ta note? Ouais, mais ça sur ma note, mon pote. D'accord, je vais me faire un peu plus de fake. Salut. Va travailler. Sûr, c'est très sexy, vraiment sexy. Dites, je vais être votre chevalier servant ce soir. Non, merci. En réalité, on est venu avec nos petits copains. Ne partez pas. Non, ne m'en voulez pas. Ne croyez pas que je sois sournois ou que j'ai une idée dans la tête. Je veux m'assurer que vous ayez ce qu'il vous faut pour vous éclater. On connaît tout ça. Il ne faut pas nous prendre pour des inconscientes ou des idiotes, vous savez. Ouah. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous voulez? Voilà ma petite amie. Où t'étais passée? Eh, hey, dis donc, t'avais l'air de bien t'amuser sans moi. Non, je te jure, écoute, je faisais que... Oh, mais d'où ça vient, ça? De moi. Et ne te fais pas de soucis au sujet de Stanford. Je ne voudrais surtout pas que tu crois que je vais m'en aller en te laissant. En plus, je sais même pas si je suis admis. Arrête, tu vas y aller, tu as beaucoup trop bossé pour pas réussir. Je parie qu'on trouvera une manière assez cool pour continuer à se voir, d'accord? Donne-moi une minute, bébé, je suis en pleine négociation.
j'en ai trouvé deux, alors vérifie que tout est prêt. Désolé. Hé, hey, t'es pas tout seul ici. Nous aussi, on a envie de s'amuser. J'ai dit que j'étais désolé. On ne fait que danser. T'es raide. C'est quoi ton problème? C'est ton pote qui est un vrai dealer. Qu'est-ce que t'as sur toi? Oh, 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 tu fais jamais ça. Et si vous voulez parler drogue, allez donc voir celui qui organise. D'accord, désolé. J'étais pas là. David! Oh, 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 je vais te casser la gueule, David! Mais qu'est-ce que c'est en train de faire? Vous allez tous foutre le camp d'ici, barrez-vous! J'en ai rien à foutre! Allez, cassez-vous! Et en vitesse! Ça va! Dehors! Maintenant, dehors! Dehors! Ce bien viré d'une soirée de merde, j'y crois pas, ça. Hé, où est Sam? Lâche-la, toi, lâche-la, la fête est finie. On s'en va, mon ange. Reste, barre pas les secours, reste avec moi. Non, mais t'es barge. C'est moi qui suis barge. C'est toujours la même chose avec ta vie de camp de dealer. Et c'est toujours la même chose, il faut que tu te donnes en spectacle. T'as eu ta chance. Moi, j'ai essayé de gagner un peu de pognon. Trou du cul. Ok, les gars, vous voulez prouver quelque chose? Voilà l'occasion. C'était un peu de cash, ça ne veut pas dire que tu peux te faire baiser par tous les mecs de la soirée. Ouais, mais si t'es pas là, alors je peux me faire tous les gags que je veux. Oh, arrêtez, on peut avoir la paix. 5 minutes. Ça va à toi, vieux? Cette droite t'a pas trop sonné? Non, ça va, mais c'était dur. Tu sais, moi j'attendais que tu viennes me délivrer de cette espèce d'illusaire. C'est vrai. Chérie, ça va aller? Oh, marche, j'ai la dent qui bouge. David! Ah! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh! Ouais. Je l'ai pas vu venir. Elle est morte. Ils vont venir me chercher. Elle va claquer, les gars. Non, elle est vivante. Il faut appeler une ambulance et l'emmener à l'hôpital. Eric, ton téléphone. Ah, mon Dieu. N'appelle pas les flics. Elle a quelque chose de cassé. Oh, c'est trop. Ah, ici, ça capte pas. Alors, il faut qu'on l'emmène. Dépêchez-vous. Allez, on y va. C'est bon, je la tiens. Démarre la voiture. Allez, vite. C'est bien mort. Allez, vite, montez, on y va. Cette soirée de merde est devenue une nuit d'enfer. Où est-ce qu'on va? Je sais même pas où il y a un hôpital. C'est pas me faire du mal. Reste sur la route principale, on va bien trouver un panneau. On va peut-être croiser une voiture de police. Je connais pas, merde, utilisez vos neurones, je suis en conditionnel. Les seuls mecs que je peux pas voir, c'est ces putains de flics. Ouais, mon pote, les flics, c'est pas une bonne idée. Si j'ai affaire à des flics, je suis bon pour 2 ans de tôle. Je suis désolé que vous, les camés, ça vous pose un problème, mais il faut d'abord penser à elle. Quel est votre nom? Faux. Je connais plus, celui-là. Qu'est-ce que c'est que ce con? Et les flics, David, je veux me barrer. David! C'est des flics qui sont plutôt bien allumés. C'est pas des flics, David. Qu'est-ce qu'on a fait? David, allez, va plus vite. Oh mon Dieu! La police. Allô? Calmez-vous. Allô? Allô? Panique, s'il vous plaît. Tourne là, David.
avance. Pas plus vite. Appuie, mec, accélère. Eric, si tu veux conduire, vas-y. Qui c'est, ces gars? David, il a tourné. Génial, il a... Démerde-toi pour qu'on sorte de là. On l'a semé. Mais qu'est-ce qu'il a pris? Je crois que ma cheville est pétée. Mais je sens rien du tout. Je ne sais pas ce que voulaient ces salauds de mecs, mais je vais les tuer. Regarde-les. Les flics vont rappliquer, c'est sûr, je suis foutu. On va appeler la police et on va aller à l'hôpital. Non, ils doivent nous surveiller. Chérie, ils nous ont sortis de la route, je suis sûre qu'ils doivent attendre. Écoutez, pendant que vous vous prenez le chou, moi je me barre. Regardez! Merde. Je le savais. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ta faute! C'est sa faute! Arrête! Laisse-la! Fous le camp! Tout ça, c'est sa faute! Je vais aller les tuer! La ferme, Eric! Fais chier! Il faut les choper, mec! Qu'est-ce que tu vas faire? Tu comptes te battre contre eux? Alors pose ce couteau où il était! Pose-le! Ils viennent vers nous! Oh, bordel! S'ils descendent, c'est pour nous tuer! Ils ont peut-être changé d'avis. Ok, ils se sont tirés. Moi, je me casse d'ici tout de suite. Eric, reste là. Arrête, Eric. Calme-toi. On ne sait pas encore s'ils sont partis pour de bon. Non. Alors l'un d'entre nous va aller voir dehors. Mais, calmement. Dites, j'ai fait 2 mois de tôle pour cambriolage. Je sais comment y faire. Alors vas-y, mec. Je suis désolée. Ça va aller. Calmez-vous. Tout va s'arranger. Ah, merde. Ça va aller. Ok. Je vois rien de bizarre par là. Pas de visée laser. Cool. La voie est libre. C'est la plus horrible nuit de ma putain de vie. Mes fringues sont foutues. Merde, j'ai perdu mon sac. On va le retrouver. Je suis content que tu sois vivant, chérie. Je suis complètement cassé, vieux. Ma jambe me fait mal. La pharmacie est fermée. Désolé, mon pote, je peux pas t'aider. Enfoiré. Il faut qu'on parte d'ici. Non, il faut surtout pas. Ils sont encore là, les ombres nous guettent. Il faut qu'on reste là. Écoutez, non, si vous voulez rester là, c'est votre problème. Ne t'énerve pas. Écoutez, je sais que vous avez peur, nous avons tous peur, mais nous n'allons pas attendre que ces pourris reviennent, compris? Dieu, que je suis heureux d'avoir une nouvelle amie, les gars. La cascade de la bagnole a été géante. Maintenant, dis-nous, qu'est-ce qui va nous arriver, espèce de pétasse? Vous ne vous imaginez pas ce que l'avocat de mon père va vous faire quand on rentrera. Hé, attendez. Fawn, dites-nous qui sont les gens qui nous poursuivent. Ils s'appellent entre eux les Ombres. Ils appartiennent à une sorte de secte de sorcellerie. Ils m'ont kidnappée et ils voulaient me torturer. J'ai réussi à fuir. C'est tout.
Au moins, on sait maintenant pourquoi on va mourir ce soir. Par la faute d'une étrangère. Je me sens mieux, ça explique tout. Quelqu'un va venir avec moi et nous allons trouver une personne qui va nous aider, d'accord? Vous êtes sûre? Oui, j'ai peur, moi aussi. Silence. J'entends une voiture. Quoi? Seigneur, mets sur ma route une ambulance équipée. Attends une seconde, on ne sait pas qui c'est. Hé, vous en allez pas. Hé, Joe, viens. Qu'est-ce qu'il fait? Fais attention, Joe. Tais-toi. Ne crie pas. J'en sais rien. Je crois qu'ils les ont pas vus. Doucement. Partons, partons. J'y arriverai pas. Ma hanche me fait mal. Tiens, tiens, je crois qu'il me reste une. Je sais même pas où est-ce que l'on est. Chut. C'est pas par où il faut aller, mais l'antenne de contact me gêne. Vite. Tous ces endroits se ressemblent. Où est-ce qu'on va? Bon, Rio, vous êtes coincé. Vous ne pouvez pas vous sauver. Vous allez tous mourir. Donne-moi la veste. Éloigne-toi. Y'a
personne. Allez, venez. On ne devrait pas avertir quelqu'un pour le gars qu'elle a assassiné. Parce que c'est son affaire à elle. Moi, j'ai rien à voir avec ça. Et qu'est-ce que tu fais des malades qui attendent dehors? Au moins, ils sont dehors. Et en restant ici, on va pouvoir se défendre contre eux. Si on reste tous très calmes, et si nous sommes tous ensemble, ça se passera bien, d'accord? Tu veux te défendre toute seule? Eh bien, défends-toi avec ça. Je veux que vous les retrouviez. Peut-être qu'on va dégoter un téléphone ou un ordinateur pour envoyer un email et qu'on va foutre le camp d'ici. Tu devrais plutôt être content qu'on ait trouvé cette maison. C'est vrai, je me sens plus en sécurité. Contente. S'ils veulent nous tuer, c'est pourri, ils devront se lever tôt. Tu sais, on sait jamais à qui tu t'adresses. À toi. Tu vois dans quel merdier tu nous affiches. Ne joue pas ce jeu-là, ça. Ah non, ça veut dire que personne ne doit rien dire? On ne serait pas dans cette merde si on n'avait pas voulu aider cette bonne femme qu'aucun de nous connaît. Regarde ce qui se passe maintenant. Cette merde a commencé à la soirée. Arrêtez tous les deux, ce sont les circonstances ou le destin, appelez ça comme vous voudrez. Et la raison pour laquelle on l'aide, c'est parce qu'on a failli la tuer. Vous vous rappelez? Je te signale qu'elle a battu un mec jusqu'à ce qu'il meure. Réalise dans quelle putain de situation elle se trouve. Nous, on n'a rien à voir avec ça. Eh ben maintenant, si, et tu vas devoir faire avec. Je ne suis concernée par rien du tout. Nous connaissons tous ton amour pour les pauvres et pour les plus déshérités, mais... elle et toi n'êtes pas liés d'amitié comme nous, nous le sommes. Et si tu te sentais des obligations envers nous, hein, pour changer? Comment voudrais-tu que je te dédommage, Sam? Que tu nous aides à survivre à cette nuit et foutre cette fille dehors! Absolument, jette cette fille dehors, qu'on ne la voit plus! Non? D'accord. Mais en attendant, ta nouvelle copine est en train de draguer ton petit copain. Je sais que vous ne me croirez pas, mais les ombres veulent me tuer parce qu'ils croient que ça apaisera Satan. J'imagine ça. La robe blanche, la vierge qu'on sacrifie. Très original. Comment est-ce qu'ils disaient, les autres? Une bonne vierge est une vierge morte? Merci de ne pas m'avoir laissé crever. Je regrette de vous causer ces ennuis. Vraiment, je suis désolée. Vous êtes en sécurité ici. N'écoutez pas ce qu'ils disent. On va réussir à s'en sortir. Si tu arrives à trouver une mitrailleuse. Ils sont là-haut! Oh, oh mon Dieu! Ça recommence! Chut, silence. David, la porte! David, derrière toi!
ne s'agit pas de toi toute seule. Nous sommes tous dans le coup. Il faut vraiment qu'on trouve de l'aide. Je crois que c'est dangereux. On s'en fout de votre avis. N'importe où, ce sera plus sûr qu'ici. Il faut qu'on quitte cet endroit. C'est vrai, mec. Je t'en prie, laisse-moi partir. Je jure devant Dieu. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pitié, 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 non! Non, fais pas ça, laisse-moi partir. Fais pas ça, je t'en prie. Je t'en prie, j'ai rien fait. Non! Avec cette fille à la soirée. T'as dû vraiment la gonfler. C'est quoi cette salade bon sang? Toute cette soirée à la con, nous court aux fesses. Tu les as retrouvés? Répondez. Répondez. Dis-moi si tu les as retrouvés. La cabane était vide. Ils sont probablement très loin. Qui est là? Oh, je crois que je sais. Suzanne, tu peux courir, mais tu ne peux pas te cacher. Viens, David. Aide-moi à enlever ses vêtements. Pourquoi? Pitié, je... Pitié, aidez-moi! Pitié! Ah ah Où en êtes-vous? On est en train de chercher dans les bois au nord. Bougez pas. Allons-y. Venez. Ah, ah, allez, debout, c'est pas la pause. Continuez, laissez-moi ici, d'accord? C'est moi qui veulent de toute façon. C'est un peu tard pour se sacrifier, vous croyez pas? Vous allez venir avec nous. Vous savez, la police va vouloir tout savoir. Il va falloir nous serrer les coudes. Le jour va bientôt se lever. Pourquoi on chercherait pas une autoroute? Il y aura bien une bagnole qui s'arrêtera. Si on marche vers la lumière, ce sera l'est. Et tôt ou tard, on trouvera une grande route. C'est de ce côté. Il doit connaître. Vas-y. Allez, viens. Je t'en prie, laisse-moi partir. Suivons nos traces si nous restons dans l'eau. Allez! Venez, restez à côté de nous! Il faut rester groupés! Venez, Fang! Venez! Plus vite! Allez! On va par là! Allez! Allez! Attention à la dernière. Merci. À bientôt. Au revoir. À la semaine prochaine. Si tu le veux.
Excusez-moi, mon père. En réalité, je ne suis pas prêtre, je suis pasteur. Quel est votre problème? Nous voudrions aller voir la police. Il n'y a pas de police à Howard Point. Mais il y a un shérif, il doit prendre son petit déjeuner en ce moment. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que cette tenue? Nous l'avons volée pour nous échapper. Vous échappez? Vous échappez de quoi? Des ombres. Oh, je crois savoir de quoi vous parlez. Ces hallucinés qui vivent dans les bois, vous n'en faites pas partie? Non, non. Parce que l'année dernière, ils ont peint cette église avec du sang de chèvre. Ils veulent prouver qu'ils sont plus puissants que Dieu. Ceux qui commettent un blasphème pareil sont capables de tout. Et c'est bien vrai, nous l'avons vu. Ils nous ont fait sortir de la route, ils ont voulu nous tuer. Ils ont emmené notre ami Joe. Ouais, ils ont mis une merde dont je ne veux pas parler. Eric, fais attention, tu parles à un pasteur. Laissez-le dire, mon fils. Certaines situations appellent certains mots. Et l'on dirait que vous avez vécu l'enfer. Venez, allons trouver le shérif. Vous croyez que le shérif va courir après ces malades? J'espère bien. Et quand vous lui aurez raconté votre histoire, il n'aura pas d'autre choix. Tu nous as bien aidés à sortir de là. J'ai pas été sympa avec toi. Tu oublies ça, d'accord? D'accord. Mon père va leur envoyer la garde, l'armée et la marine, dès qu'il va savoir ce que ces maniaques nous ont fait. Suzanne. Écoute, qu'est-ce que tu vas dire à Spook? Je vais lui raconter tout ce qui s'est passé. Tu sais, t'es peut-être pas obligé de tout dire. Vaut mieux les charger, eux. Eric, grandis un peu. Nous n'avons commis aucun délit et on ne va pas non plus rendre les choses pires qu'elles ne sont. C'est facile à dire quand on sait qu'on ne craint pas la prison. Tu veux que je te dise, Eric, tu fais ce que tu veux, mais ils retiennent Joe et je ne vais pas mentir sur ce qui est arrivé. Fawn, vos parents sont sûrement inquiets à votre sujet. Je sais que les nôtres le sont, alors on devrait leur téléphoner maintenant qu'on est là. Je n'ai personne à qui téléphoner. Oh, vous inquiétez pas, on vous garde avec nous, d'accord? Grace? Salut, Seth. Ellie, de bons petits déjeuners campagnards pour ces jeunes sur mon compte. D'accord. Harry, les jeunes qui m'accompagnent, ils voudraient te parler d'événements qui se sont passés dans la forêt cette nuit. Oui, et de quelle sorte? Nous voudrions faire une déposition officielle. Ceci la rend officielle. Allez-y. Nous sommes allés à une soirée hier soir, et ça s'est mal terminé. Tous ces gars nous ont cherchés. On est partis, ils nous ont pris en chasse. Enfin, du moins, on pense que c'est tout. Ils vous ont poursuivi? Oui, avec un van gris. Et ils nous ont poussés hors de la route. Vous avez relevé le numéro? Non, shérif, je conduisais. Ils ont aussi essayé de nous tuer. Vous n'étiez pas chargé, comme on dit? Non, monsieur. Ils ont réussi à enlever un de nos amis. Vous dites « ils » au pluriel. C'était plusieurs personnes. Harry, il s'agit de ces tueurs de chèvres dont je t'ai parlé plusieurs fois. Ceux qui se trimballent en costume et qui font Dieu sait quoi. Ils s'en sont pris à nous parce que nous l'avons protégée. La protégée contre quoi? Des ombres. Des ombres? Ils voulaient me tuer, je me suis échappée. J'ai peut-être tué l'un d'entre eux. Déposez vos cartes d'identité sur la table, cette histoire prend trop de proportions. D'abord un enlèvement et ensuite un meurtre. Tous nos papiers sont restés dans la voiture de David. Vous me dites n'avoir pas de papier d'identité et être impliqué dans un meurtre? Mais cette... qu'est-ce que tu m'amènes là? Monsieur, il y a peut-être encore autre chose. Il y a aussi une fille, elle nous a attaqués et nous l'avons assommée. Et aussi deux dans la cabane. Et encore un dans les bois. Ça suffit maintenant, vous mettez six cadavres sur les bras de mon matin alors que j'ai même pas fini mon petit déjeuner. La plupart d'entre eux sont des jeunes de la soirée, mais nous n'avons pas fait le lien tout de suite parce que... Et vous n'y avez pensé qu'après avoir tué l'un d'entre eux? C'était de la légitime défense et nous ne savions pas au sujet de la fille. On a essayé de s'en sortir et rien d'autre. Votre histoire me gâche le goût de mon omelette. Vous, ainsi que le conducteur, vous venez avec moi. On va essayer de tirer ça au clair. On peut téléphoner à nos parents? Bien sûr, mais dites-leur que vous êtes retenu à Howard Point par le shérif du département jusqu'à nouvel ordre. Attendez, on est en état d'arrestation? Ça va se décider dans la journée, fiston. Grace, je reviendrai pour déjeuner. Nous, on fait quoi? Grace va s'occuper de vous. Je vais revenir très vite. Ne vous inquiétez pas. Oh.
Regardez-moi ces pauvres oisillons qui ont l'air affamés. Vous allez manger mieux que les autres. Merci, madame. Allez, au travail. Ellie, il faut nourrir ces enfants. Tu sais qu'ils vont aller tout raconter. Ta conditionnelle est foutue, c'est con. J'ai pas encore les menottes au poignet. J'en ai déjà parlé, cette, je ne veux plus entendre parler de secte. Combien de fois ont-ils peint mon église avec du sang? Tu devrais te remuer et faire un peu ton travail. Ne t'énerve pas. D'accord. Oh, ne vous inquiétez pas pour ça. Ces deux-là sont toujours en train de s'engueuler. Écoutez-moi, tout va aller très bien maintenant. Vous êtes entre de bonnes mains. Oui, je voudrais que tu interroges le fichier. C'est des gosses dans cette affaire. Combien de personnes vous poursuivez? Je sais pas. Il y en avait dans le van et aussi... peut-être une demi-douzaine dans la forêt. Mais partout, ce qui se termine mal. C'est pas notre genre. Vous dites qu'ils en avaient vraiment après vous? Ce qu'ils voulaient, c'était me tuer. Ouais, je vois. Un petit verre, un petit joint. On commence à rigoler avec le type qu'il faut pas. Les sens s'éveillent et on se contrôle plus. Ça ne s'est pas passé comme ça. Shérif, on a des tas de condamnations sur un de vos suspects. Reynolds, Eric. Il est en liberté conditionnelle suite à des infractions multiples au code 7-3B. Merci, Millie. Vous avez un sacré copain, le 73B. Trafic de stupéfiants. La situation commence à s'éclaircir. C'était la voiture de mon père. Bon sang, on était prisonniers. J'avais un couteau, on a réussi à se dégager. Regardez partout. Les marques, les bouts de verre cassés. Fiston, je sais pas depuis quand ces débris sont là. J'aimerais pas penser que vous mentez. Mais cette voiture, c'est sûr que ça aurait pu nous aider. Qu'est-ce que vous faites de Joe? Ils l'ont renversé, ils l'ont emmené. Et où est passé ce couteau dont vous parlez? Je l'ai perdu quelque part dans la forêt. Ça a dû être une sacrée nuit. Regardez. Est-ce que ça, ça ne prouve pas qu'on était poursuivis? Mon petit, je vois bien que vous êtes emmerdé. Je devine qu'il y a un problème, mais je ne suis pas encore sûr de ce que c'est. Ça ne serait pas du sang? Je ne mettrais pas ma tête à couper. Je voyais le faire aussi. C'est sur cette route qu'il s'est fait renverser, je le jure. Ouais, c'est là. David. Ce sont ses lunettes. Tout ce qu'on vous dit qui s'est passé, c'est passé. Il y a des charges qui vont peser sérieusement contre vous. Même la légitime défense est inexcusable. Bon sang, on a fait qu'essayer de s'en sortir. On aurait pu se sauver, mais on l'a pas fait. Le pasteur, lui, nous croit. Il sait énormément de choses sur ces gens. Allez, en voiture. Alors, tu vas dire à ton père de percer à ses barjots un nouveau trou de balle? Que je lui ai entendu dire depuis toujours quand il veut bien parler, c'est qu'il fallait pardonner. C'est comme ça qu'il est.
Il diminue toujours les culpabilités. C'est une façon de voir. Tu parles toujours de ce que ton père fait pour toi. Très franchement, oui. La seule fois où il réagit comme mon père, c'est quand je suis dans le pétrin. Il doit se dire, il faut sauver ma fille. Le reste du temps, il n'en a rien à faire de ma vie. Cette fois, je ne souhaite vraiment pas son aide, tu comprends? Tu sais, j'aimerais tellement être comme Suzanne et n'avoir rien à devoir à personne. Il faut commencer un jour ou l'autre à être responsable, il faut être acteur de sa vie. Parce que sinon, nous allons finir comme nos parents. Contourner tous les problèmes et nous faire une existence médiocre. Moi, finir comme mon cher père. Monsieur le bureaucrate de merde qui m'emmerde avec sa morale à chier. Tu as raison. Je réfléchissais. Peut-être que je devrais appeler le juge d'application des peines. Et lui dire ce qui s'est passé. Il vaut mieux que je fasse ça plutôt qu'il le lise dans un rapport de police. C'est une excellente idée. Ouais. 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 J'ai besoin de savoir quelque chose. Quoi? Est-ce que tu m'aimes? Ouais. Oui? Même si j'ai pas d'argent? Oui. Je t'aime. Je t'aime aussi. Vous avez un téléphone? Là dehors et ensuite à droite, chérie. Tu peux courir, mais tu ne peux pas te cacher. Eric! Qu'est-ce que tu dis de ça, petite pute? Eh bien, ils sont toujours plus lourds qu'il y paraît, hein? Sam.
foutre. Sam! Ils ont enlevé la voiture pour qu'on ait l'air de menteur ou de dingue. Et ça a fonctionné. Oui, je comprends. Vous croyez que le monde entier devrait vous être offert sur un plateau. Mais moi, je fonctionne pas ainsi. Vous, c'est la picouse ou le joint. Ça vous fait vous sentir mieux. Vous vous sentez mieux, mais ça vous rend dingue comme des saloperies de rats. Jusqu'à voir des choses comme les adorateurs du diable. Vous prenez peur et vous tuez l'un d'entre eux. Mais il avait rien à voir avec le diable. C'était un pauvre gosse qui passait par là. Oh mon Dieu, David, regarde, c'est le van. C'est le van qui nous a poursuivis l'autre nuit. Je jure que c'est celui-là. Nous allons voir pourquoi cette camionnette nous barre la route. Ne bougez pas. Je me suis dit, celui-là, il est bon pour une contredanse. Tu sais ce que ces petits trous du cul ont dit que tu étais? Le grand méchant loup. Nous en manquera un. On va la voir. Suzanne ! Voyons, Suzanne ! Ne joue pas ce petit jeu à la con avec moi ! Il n'y a rien qui mette plus en colère ! Où elle est passée ? Désolé, mais on la trouve pas. Mais vous savez, on va la trouver. Vous deux, rentrez en ville. Débarrassez-vous de cette voiture, mettez le shérif dedans et brûlez-la. Il faut la trouver, il faut pas qu'elle s'échappe. D'accord. Tu as entendu? Tu as entendu ça, Suzanne? Tu ne peux aller nulle part, ma petite. Vous avez vu quelque chose? J'ai dit, avez-vous aperçu quelque chose ? C'est un très bon choix, Trémor. Elle est superbe. J'ai su qu'elle était parfaite à la minute où je l'ai vue. Est-ce que je peux y goûter ? Vous avez ma permission. Et je le saurai.
te voulait pour lui tout seul. La gourmandise me répugne. Mais je vais m'assurer que tu seras équitablement réparti. Tandis que tu te trémoussais les fesses pour essayer d'attirer l'attention, tu n'avais aucune idée de ce qui allait arriver, n'est-ce pas? Maintenant, tu as tellement peur que tu ferais n'importe quoi pour sortir d'ici, n'est-ce pas? Mais tu vas faire quelque chose. Nous allons nous gorger de toi. Et tu nous donneras la vie éternelle. Je voulais pas que tu cries. Ils ont enlevé Sam. Ils vont la tuer. Faune et le pasteur? Non, l'autre grosse serveuse et son minable cuistot. Cet homme de Dieu qui soi-disant voulait nous aider a tué le shérif. Et Faune est dans le coup aussi. Oh mon Dieu, je le savais. Ils ont pris avec eux David. Nom de Dieu! Il doit y avoir un moyen de contacter nos parents. Il y a sans doute un moyen. Non, je suis allé à la cabine téléphonique, ils ont débranché tous les fils. Quoi? Bon, essayons de trouver une voiture. Excusez-moi, monsieur. Vous savez où il est possible de louer une voiture? Où est votre voiture? Si vous voulez, je vais aller jeter un coup d'œil. Nous n'en avons pas. Il n'y a que deux façons d'arriver à Howard Point. La première au volant et la deuxième in être. Je suis né ici et je ne vous connais pas tous les deux. Voilà, en fait, nous cherchons seulement à rentrer à Los Angeles. Nous avons de quoi payer en liquide. $100 et je vous ramène chez vous. C'est d'accord. Merci. Laissez-moi finir de changer le filtre à huile. Et on y va. Attendez-moi dans la... Oh, Rick, tu vas pas avoir le temps de dire ouf. Non. Va voir si je t'attrape. Tira pas loin. Baisse le cri. Oh non. Dieu. Tu n'as rien? Non. Merci, heureusement que tu étais là. Je vais voir si les clés sont sur la voiture. Eric! Eric, regarde! Nom de Dieu, c'est eux! Il faut se planquer! Fais pas le bruit! Ils doivent savoir où sont Sam et David. Il faut qu'on sache où ils se trouvent. Ils ont complètement isolé cette ville, mais ils ne vont pas se couper du monde, ils ont des portables. Donc, retrouvons Sam et David, et piquons un téléphone. Je ne partirai pas sans eux. Tu me suis? J'ai plutôt les jetons. Mais je me dégonfle pas, dépêche-toi. J'ai toujours fait ce que Seth m'a demandé de faire, parce que... il m'a fait des promesses. Et les camarades, ils vont aussi suivre tout ce qu'il a dit. Chérie, si tu t'en remets entièrement à nous, tu n'auras plus aucun souci à te faire. Ça, c'est garanti. D'accord, je vais voir si Curtis veut qu'on l'emmène. Fais vite. Thank you.
de là. Tu vas arrêter de crier. Ce sont ces satanés gosses qui ont fait ça. Allez, viens, partons. Seth saura arranger ce problème. Tu es un bon disciple, Ellie. Merci, monsieur. J'essaie de bien vous servir. Elle est prête ? Elle le sera. Nous aurons tous les autres ensuite. La fête ne revient que tous les 6 mois. Et nous allions presque manquer celle-ci. Tu sais que je ne te laisserai jamais tomber. Et je ne te décevrai pas. On va rentrer et tout préparer. Tu
commences à faire ce qu'il faut dans la maison et moi, je vais chercher Ellie. Tu as compris ? On va essayer de les trouver et on fout le camp d'ici. Je ne l'aime pas. Elle est indigne d'un si grand sacrifice. Elle est impure. Qu'est-ce que tu suggères ? Je suggère de juste la tuer. C'est toi qui décides. Laisse-la vivre assez longtemps qu'elle est une mort lente. Oh, Samantha. Petite Samantha, tout va bien, ne crains rien. Je vais prendre le plus grand soin pour te découper afin que tu apprécies, chérie. Là. Comme ça. Est-ce que ça te plaît ? Tu veux que je commence par un autre endroit ? Est-ce que tu aimes ça ? Soin pour te découper afin que tu apprécies, chérie. Aide-nous à nous en sortir. Fiche-la dehors. Au moins, nous savons pourquoi nous allons mourir cette nuit. Tout ça à cause d'une étrangère. Nous devons l'aider parce que nous avons failli la tuer. Vous vous rappelez ? Mais enfin, c'est nous, les vrais amis, pas elle. Merci de ne pas m'avoir laissé crever. Je regrette de vous causer tous ces ennuis. Où est Sam ? Sam ! Sam ! Passer une sacrée nuit tous les six, n'est-ce pas ? Je ne comprends rien. Où je suis ? Qu'est-ce que c'est que cette maison ? C'est la maison où tu vas mourir. Qu'est-ce que vous avez fait, David ? Oh, d'où Jésus ? Pourquoi faites-vous ça ? Tu vas oublier le nom de Jésus. Si j'agis ainsi, c'est parce que mon Seigneur me l'a ordonné. Oh, Suzanne, Suzanne, Suzanne. Tu es une battante, j'adore ça. Mais tu as perdu. Tu as perdu au moment où tu as accepté d'aller à la soirée. Tu sais, ces soirées où on prend de la drogue et où on fornique, c'est mon terrain de chasse. Et ça m'offre des centaines de proies. Je serais heureux que tu te joignes à notre groupe. Tu le veux ? Jamais. Vraiment ?
Très bien, si je ne peux t'avoir d'une façon, je t'aurai d'une autre. Tu as vu ton ami ? Sam ! Ses jours étaient comptés quand un étranger lui a tendu ce prospectus. Non ! Maintenant, tu vas aller la rejoindre. Elle est jolie, non ? Je t'ai plus qu'aidée. Tu saignais tant que tu serais morte sans moi. Je ne crains pas les blessures et je ne t'ai jamais rien demandé, Suzanne. Ce soir, c'est une nuit très spéciale pour notre secte. Si tu nous la gâches, je te ferai si mal que tu nous supplieras pour qu'on te donne le coup de grâce. Je veux voir la peur dans tes yeux, Suzanne. Ne te retiens pas. Fais ça pour moi. On revient très vite. Tu sais, Grace, je suis tellement excitée par tout ça que je sens que je vais craquer. Oui, je te comprends, chérie. Mais rappelle-toi, ce que nous faisons est sacré. Ne te sors pas ça de l'esprit. Lucifer et Moloch, sachez que nous sommes vos esclaves et les serviteurs de votre pouvoir. Ainsi, nous préparons cette réjouissance en versant le sang. Mes frères et mes sœurs, ce soir est la nuit que nous attendons depuis 6 mois, celle où nous buvons le sang des non-croyants et qui nous donnera la vie éternelle. Récompense tous ceux qui travaillent pour sa maison. Et notre récompense à tous sera grande. Ave, Satan! Ave, Satan! Et saluez son plus croyant serviteur. Ô Baal, Lucifer et Moloch, assoiffés de sang virginal, régisseurs des vices monstrueux et voluptueux, c'est vous que nous adorons. Satan, étends sur nous ta puissance tandis que nous buvons le sang des innocents et des infidèles. Accorde-nous la vie éternelle afin de pouvoir continuer ton œuvre satanique. Nous allons mettre fin à ta misérable existence et t'offrir de rejoindre un monde meilleur. Tu devrais apprécier ça. Sur cette terre entre sombre, ô Lucifer, ange déchu de la lumière, montre ton pouvoir. Car nous nous consacrons, ô Lucifer, à la conquête et à la corruption du monde et des hommes. Tandis que nous buvons le sang, donne-nous la vie éternelle et fais en sorte que nos âmes soient à tout jamais à ton service. Buvons. Que nos vies soient consacrées à la gloire de ton éternelle flamme. Buvons ce sang. Oh!
Susan, j'ai besoin de toi plus que jamais. Seigneur, vous êtes complètement fou. David, Susan, allez-vous-en. Eric, non, fais pas ça. Allez-vous-en. Eric, non. Va en enfer. Je vais être en retard pour mon cours. Attends, écoute. N'oublie pas que tu m'as promis que ce soir, on allait... Je sais. Dîner, ciné, tout ce que tu veux. D'accord. À quelle heure tu rentres? Ben, après les cours. Je t'attends. Juste après, c'est juré. Passe une bonne journée. Je parie que t'as oublié tes clés. Une rêve d'enfer. Bonjour, Suzanne.